les importants menhirs étaient situés près du bourg d'Anfiano. En effet, ils ont pris le même nom. Des deux menhirs, Anfiano Ier et Anfiano IIe, malheureusement, il ne reste qu'une partie du deuxième. Le Salento est un lieu qui mystérieusement déborde de dolmens et menhirs, et il est donc l'un des lieux qui enregistre la plus forte concentration des trésors mégalithiques millénaires, c'est-à-dire de témoignages mégalithiques d'intérêt mondial. La présence ancienne de l'homme à proximité du territoire des Cannoles est attestée par ses majestés éléments, ou plus exactement, par ce qu'il aujourd'hui encore en reste.